Bienvenue, je suis Jacqueline Jean-Jacques Jean pour Canal 6. Ce soir, nous visitons le campus renommé de Baylor University. Elisu s'est assis avec deux étudiants et l'entraîneur lui-même, Art Browse. Bonjour, je suis Elisu et je suis ici à Baylor University à Waco, Texas. Et voilà, est le bâtiment de commerce. Nous parlerons à quelques des étudiants à Baylor. On y va! Est-ce que c'est Total Frat Move France? Qu'est-ce que le meilleur parti de Baylor? Évidemment, la plus bonne chose de Baylor est la fraternité Sigma Chama Gamma Chi. Nous avons un lueur ce soir. Les femmes doivent porter les soutiens gorgés de noix de coco. Bonjour, je suis dans la sororité Delta Kappa Nu et aujourd'hui nous vendons les petits chiots pour les enfants pauvreté en Antarctique. Sans doute, le programme de football américain est la plus bonne chose de Baylor. Nous sommes les champions de la Grande 12 dos à dos, mais pas l'année passée parce que nous avons beaucoup de blessures. Qu'est-ce que vous étudiez? Je suis pré-commerce. J'étudie l'assistance sociale et les études de pauvreté avec une option mineure de psychologie et l'éducation spécialisée. Intéressant! Qu'est-ce que vous faites pendant ton temps libre? J'aime beaucoup de choses, les fêtes, pas d'alcool, bien sûr. Travailler sur mon pick-up de chevet, de pêcher, de chasser, les choses comme ça. Et aussi passer le temps avec des chéris. J'aime faire des randonnées dans le parc de Cameron et le samedi. Je vais au marché fermier avec mes sœurs de Delta Kappa Nu. Il n'y a pas de jour de congé. Nous travaillons toute la journée, tous les jours. Où est votre endroit préféré sur campus? Je préfère le slick et jouer du basket avec mes mecs. Les plus bons endroits de Baylor sont notre chambre dans le sub et aussi Club Moody. Le stade de McLean, nous avons la plus bonne facilité du monde. Il est construit pour 266 millions de dollars. Nous acceptons seulement les meilleurs joueurs de football américain du monde. Et si tu penses que tu as ce qu'il faut pour le Baylor Bears, nous enverrons un recruteur à toi. Et maintenant, on va retourner avec Jacqueline Jean-Jacques-Jean. Wow! Alors que Baylor est une université renommée, récemment, il y avait des rapports assez bizarres. 40% des élèves voyagent sur les bords magiques parce qu'ils sont trop gros pour en marcher. Récemment, un étudiant a été arrêté pour avoir boire de l'eau et non pas du Dr. Pepper. Il a été chargé pour du mauvais conduite. Demain soir, sur Canal 6, nous parlerons de la découverte de 3 nouveaux types de fromages et comment les croissants ont sauvé les vies des Français. Je suis Jacqueline Jean-Jacques Jean et merci et bonsoir.